d'être chargée d'affaires à l'incubateur, quel est votre rôle ? Ben, mon rôle, c'est d'accompagner les créateurs de start-up au quotidien dans le développement et l'accélération de leurs projets d'entreprise. L'incubateur est là pour concrétiser un projet, l'amener sur son marché. Le start-upper a en fait 12 mois pour pouvoir réussir son projet au sein de l'incubateur. Alors au quotidien, ça se concrétise comment votre aide auprès des start-up ? En fait, ça commence déjà par un hébergement. On offre la possibilité aux créateurs de venir dans nos locaux, bénéficier des infrastructures logistiques assez classiques de bureaux, de partager avec d'autres créateurs de start-up aussi des locaux. C'est important pour eux de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter et puis d'échanger sur les réussites et surtout sur les échecs qu'ils ont connus au cours de leur développement. Ensuite, il y a l'accompagnement humain. Donc moi, je suis chargée d'affaires. J'ai un portefeuille, entre guillemets, de start-up à accompagner. Donc, on travaille au quotidien sur le marketing du projet, son financement, le business model Canvas, etc. L'idée étant d'arriver le plus vite possible sur son marché et de mettre en place un plan d'action concret pour que les start-up puissent toucher leur clientèle. Il y a aussi un soutien financier qui est apporté. Oui, alors les start-up bénéficient également d'une avance remboursable qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. C'est pas négligeable quand on démarre sa start-up, qui vont permettre de financer des prestations externes, comme par exemple de l'action commerciale, de la communication, si on doit faire un site web, un logo, participer à un salon professionnel, et encore du service de la prestation juridique pour créer les statuts, créer l'entreprise, déposer des brevets, etc. Donc on intervient à tous ces stades. En gros, on intervient sur plein de domaines, sauf le développement technique. On considère que les porteurs de projets doivent développer eux-mêmes, sur leurs fonds propres, l'application ou le produit ou le service qu'ils souhaitent développer. Après, dans l'incubateur pour les startups, ça veut dire quoi pour eux, concrètement ? Ben, ça veut dire entrer dans la grande famille des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. C'est aussi un partage, une convivialité, de la bienveillance, toujours de la bienveillance à l'égard des porteurs de projets. Voilà, ils viennent ici pour à la fois chercher un cadre, c'est important de ne pas rester aussi seul chez soi à créer son entreprise, et aussi pour bénéficier d'un label, auprès de nos partenaires, des financeurs, qui vont apprécier en fait que le projet soit en cours d'incubation à l'incubateur Midi-Pyrénées. Et donc, les startups entre elles, ça se passe comment ? Alors, les startups entre elles, c'est super parce qu'en général, elles arrivent à l'incubateur, ne se connaissent pas. Et à la sortie de l'incubateur, on se rend compte qu'il y a des liens d'amitié très forts qui se créent, aussi des liens de business parce que parfois, les entreprises entre elles font des affaires et permettent d'accéder à du business